Bonsoir à tous. Ce soir, je suis sur le chess. Je voulais vous montrer quelques ma partie sur le gambit dame acceptée et en même temps expliquer un peu les vertus des gambit dame acceptées. Voilà. J'ai choisi une variante qui est une variante un peu ancienne, c'était une ligne qui à un moment c'était à la mode. Pendant longtemps, on pensait comment on peut trouver les meilleurs plans contre Gambit Dame Acceptée. Voilà. En tout cas, vous savez que vers 2000, c'est Kasparov qui jouait aussi avec les Noirs Gambit Dame Acceptée. Surtout, un match contre Kramnik, on a vu une partie. Et les gambits dame acceptées est toujours actualité. Le temps change et les variantes aussi changent. C'est le parti contre Mikhail Krasenkov en 2010, championnat d'Europe, que je voulais montrer. Après, peut-être si j'aurai le temps, je montrerai la partie contre Sasikirian et Sanikidze. En attendant, peut-être, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Gambit Dame Acceptée, normalement, c'est D4, D5, C4, D5, C4. Ça, c'est la position de départ, Gambit Dame Acceptée. Mais après, je pense que si on avait prendre en C4, ça veut dire que c'est Gambit Dame Acceptée. On peut avoir plusieurs transformations. Par exemple, dans cette partie, mon adversaire commençait par cavalier F3. La partie joue je pense que c'était championnat d'Europe. C'était championnat d'Europe en Croatie. J'ai joué avec les noirs. Mon adversaire commença avec cavalier F3. Alors qui m'a salama. C'était championnat d'Europe en Croatie en 2010. Cavalier F3, D5 et C4. C4. Ah, excuse-moi, D4, cavalier F6 et C4. J'ai pris des pommes C4. Si vous prenez un C4, ça c'est le gambit dame acceptée. E3. E6.
Les dernières fois, on a vu les parties avec E4, je pense. Une partie contre Karpov avec E4. E3 fois C4 et A6. Et là, un coup très intéressant dans cette position, ça c'est une position très connue dans le gambit dame acceptée. Donc ça c'est, il y a milliers de parties dans cette position. Donc il y a plusieurs coups, c'est soit petit roque, hein. Petit roque, fou B3, fou D3, cavalier C3. A4, etc. Et là, c'est un coup. Normalement, dans cette position, vous voyez les fous en C1. Fou C1, on doit développer un moment. Donc, ça veut dire que plus tard, notre but, pousser E4, E5, profitant notre avantage au centre. Donc, pour éviter l'échange des variantes et pour pousser plus vite E4, il y a un coup intéressant, dame E2. Les blancs jouent dame E2. Voilà. C'est ça les variantes. Donc, déjà, vous pouvez jouer cette variante avec les blancs ici. Donc, dame E2. C5. Est-ce qu'à un moment, on doit jouer C5 pour détruire le centre? On doit jouer C5. Donc, c'est mieux faire tout de suite. Et là, on prend deux pommes C5 et sans changer la dame. Il n'y a pas de danger, l'échange de variant de dame, fou C5. Et petit roque. Après, dans cette position, on peut jouer B5. C'est un coup très combatif que j'avais pratiqué plusieurs fois, mais dans cette partie, je voulais jouer surtout solide. Donc C5. Des pommes C5. C5 et petit roque, cavalier C6. Et je pense que à cette époque-là, ces coups sont considérés les meilleurs par rapport au roque. Pourquoi? L'idée c'est après E4, parce qu'il y a une menace E4, E5 avec les attaques sur les rois. Donc maintenant, les noirs jouent B5, fou B3, et là, on ne roque pas, on joue cavalier D4 tout de suite. Cavalier D4, dame D4. Normalement, nous avons deux possibilités dans cette position. Soit on peut jouer cavalier C3, soit fou E3. Donc les coups fou E3, c'est considéré comme les meilleurs. Et maintenant, si vous voulez, prendre les pions en E4, c'est très dangereux. Donc c'est mauvais, simplement. Par exemple, dans E4,
Il y a une partie de référence. Ça, c'est la partie gentiment contre l'autre. Donc, si vous voulez, on peut voir la partie. Donc, cavalier D2. Dame F5, c'est seul coup. Et G4. Dame F5. Cavalier F3. Dame F4. Mais bon, aujourd'hui, on considère que la dame D6, c'était le meilleur coup. Cavalier F3, dame E4, cavalier G5, dame C6, tour AC1, fou B7, c'est avec l'idée échec mat. Ah, добрый вечер, Почепов. Я показываю свою партию против Красенкова из чемпионата Европы 2010 год. Donc, F3, fou E3, dame E3, dame D6. Et là, donc les blancs sacrifiaient les pièces pour profiter les rois au centre. Donc, les noirs encore pas roqué. Cavalier E6. F pomme E6, F E6. Donc, il a joué roi F8. Voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait parce que ça, c'est pas notre priorité ce soir. C'était juste pour voir les variantes. Donc, il y a très fort initiative pour les blancs et finalement, ils ont concrétisé leur avantage. Voilà. Même le final est très intéressant. Peut-être les noirs pouvaient faire nul. Ну да, это теоретическая партия. Это Лотье играл белым светом, я думаю. Нет, Тимман играл против Лотье. Но это теоретически плохо считается. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'en tout cas, dame E4, c'est considéré comme mauvais coup. Et la partie, vous pouvez voir, Tillman contre Lottier. Et même, il y a une partie, Tkachev contre Edouard Romain en 2009. Voilà. Et maintenant, je reviens dans ma partie. Donc, c'était dame E5. Fou E3 et dame E5. Dame E5, c'est considéré comme le meilleur coup et j'ai joué dame E5. Donc ça, la ligne est forcée jusqu'à là, cavalier C3. Et nous sommes dans une position théorique, voilà, de la variante dame E2 dans le gambit dame acceptée. Donc, si vous voulez, il y a des parties Rajabov-Teymur contre Kasparov en 2003. Svidler contre Dominguez en 2007. Donc, il y a plusieurs coups. Donc, soit tour C1, cavalier C3, fou B7. Et là, il y a plusieurs coups. Soit tour C1, soit c'est comme dans la partie, c'est tour D1. Tour D1, roque. Hello, Antonin. So, I explain. Queen Gambit. Queen Gambit accepted. And variation with Queen E2. Donc, tour D1.
Et normalement, je pense que là, si vous voulez, il y a un autre coup, c'est tour C1. Et ça, c'était joué entre Rajabov contre Kasparov en 2003, Swidler contre Dominguez. Et la partie est finie par nul. Donc, dans ma partie, il joue tour D1. Roque. E5. Dame C6. Я думаю, нет. Просто сегодня вечером я хотел показать что-то. Я обещал, что покажу принятый ферзевый гамбит. Я сначала хотел играть перед тем показать, я хотел играть. Но потом как-то оставили эту идею. Но, скорее всего, нет. Просто обычно я здесь, как сказать, что-то показываю, или вы можете найти в YouTube-канале структуру Калспат, по-моему, мы смотрели в прошлом году. Ну, иногда Эндшпиль, мы смотрели пешечные и ладейные, или как улучшить расчет. Я люблю показать этюды тоже. Bonsoir, bonsoir Atisha. Donc, j'étais en train de montrer les variantes, une variante sur le gambit dame acceptée, qui était à la mode à l'époque, je ne sais pas même si ça joue aujourd'hui, mais ça joue, donc, mais c'est considéré comme une position égale, je pense. Donc, ça, c'est ma partie contre. Contre Mikhail Krasenko. F4. Cavalier 4. Cavalier 4. Dame 4. Dame 4. Fou 4. Et on arrive à cette position, je ne sais pas. Mais je pense que il y a une petite avantage solide pour les blancs, mais la position reste à peu près égale. Mais bon, après, il faut jouer. Donc, c'est pour ça qu'on ne joue pas peut-être aujourd'hui. En tout cas, dans deux reprises, j'avais joué cette position. Tour D4. Fou F5. Tour FD1. Tour C8. Et le reste, c'est à peu près égal, hein. Donc, je ne vais pas analyser trop cette position. Notre but, c'était voir la théorie et encore voir à peu près les plans. Donc, G5, c'était pour affaiblir les pions E5 et, comment dire, améliorer les rois à la fin de la partie. Donc, G4, fou B1. B4. Donc B4 c'est un coup technique. Hein? B4 c'est pour fixer les pions à 6. Vous voyez, il a envie de fixer les pions sur les cases blanches. G.F et Roi.F2. Et le problème, il y a des tours encore, donc je peux créer les contre-jeux. Bonsoir, Jeannick. Bon, j'espère que tu as compris mes explications en russe, non? Tour F8, tour D7, fou G6. Et tu habites où? Tour C4. J'ai pris avec les pions C4.
Voilà, et ça c'était répétition. Et c'était nul contre Krasenko. Bonsoir, bonsoir, Nez de Chien. Ravi de te revoir, Nez de Chien. Tu étais en absence depuis longtemps. Voilà, donc je peux expliquer encore. Donc l'idée c'était montrer la partie, les variantes. Donc encore une fois, D4, cavalier F6, C4, dépense C4, E3, E6, fou C4, A6. Donc, position de départ de Gambit Dame acceptée, donc avec cavalier F3, E3. Il a une variante, j'ai expliqué que soit c'est on peut jouer A4, on peut jouer fou B3, bien sûr qu'on peut faire petit roque et après avec l'idée fou B3, fou D3, même 3-1, ou on peut jouer cavalier C3. Mais aujourd'hui, j'étais concentré sur une variante qui était très intéressante avec Dame E2. Donc l'idée, c'était pousser plus vite E4, E5. On savait pas, hein? Sinon on pouvait prier pour toi, Nice de Chien. J'espère que tout est bien passé. Donc tu es guéri. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc voilà, dame E2, l'idée pousser E4, E5. Et là, j'ai montré la partie contre Krasenkov, cavalier C6, E4. Si vous avez que des questions, n'hésitez pas à écrire. B5, fou B3 et cavalier D4. Cavalier D4, dame D4. Et fou E3. Donc ici, j'ai expliqué que dame E4 considéré mauvais théoriquement. Après, il y a des parties, par exemple, Timman contre Lhotier ou Tkachev contre Edouard Romain en 2009, vous pouvez voir. Autrement, et le meilleur coup, c'est dame E5. Et après, on arrive à cette position, fou B7. À peu près forcément, on arrive à cette position avec le coup dame E2. Dame E2, c'était sixième coup. Donc après, ici, il y a plusieurs coups, mais mes adversaires toujours choisissent le coup tour D1. Même tour AC1, c'était joué plusieurs fois. Rajabov qui jouait contre Kasparov, Svitzer contre Dominguez. Donc mes adversaires, pour changer un peu peut-être, parce que choisissaient toujours tour D1. Et là, donc j'ai montré cette partie qui est OK. Théoriquement, c'était égal et j'ai prouvé dans cette partie. Donc finalement, la partie terminée par nul. Et j'ai joué contre un grand maître qui est maintenant polonais, Michal Krasenkov, qui est assez fort. Et j'avais joué cette partie au championnat d'Europe en 2010, je pense. Oui, c'était 2010, Croatie. Oui, ça c'est Croatie 2010. Et en 2011, c'était organisé en France, à Aix-les-Bains. Donc, championnat, c'était à Aix-les-Bains. Dans lequel j'étais qualifié pour la Coupe du Monde. Et maintenant, je voulais montrer encore une partie sur cette
comment dire, sur cette variante, ok, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok, il est là. Donc, encore une fois, D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, C4, D-pawn C4. Donc, et maintenant E3. Ah oui, donc les dernières fois, on était concentré sur les variantes cavalier C3, n'est-ce pas? Donc, on était concentré avec les variantes cavalier C3 et j'avais montré les variantes avec A6. Après, j'ai montré les pièges, les variantes viennoises. C'était ça. Oui, E4, fou B4. Fou G5, C5, E5, c'est pawn D, dame A4, cavalier C6, roque. Voilà, fou D7, cavalier E4, fou E7, G pawn F, fou H4. Donc j'avais montré cette variante. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai montré les variantes avec dame E2. Pas cavalier C3, E3. On joue E3, fou C4, A6 et dame E2. C5. Voilà. L'idée, ici, on peut prendre en C5, fou C5 et peut-être roque comme tout à l'heure. Et maintenant, si on fait roque, donc les noirs, les blancs peuvent pousser E4, E5 et obtenir espace. Donc avant le roquet, les blancs jouent cavalier, les noirs jouent cavalier C6. Donc roque et cavalier C6. Donc les blancs jouent quand même E4, B5. Fou B3, cavalier D4, cavalier D4, dame D4. Donc ça c'est ma partie contre Sanikidze, un grand maître géorgien. Donc pourquoi j'ai montré la partie? La partie joue en 2011. En 2011 en Espagne, dans un tournoi Open. Donc je pense que c'est juste qu'après, j'ai compris que mon adversaire était très bien préparé. Il était bien préparé. Merci Ivan Quiroga pour follow. Donc, t'es bienvenue. Donc, j'étais concentré. Ah oui, donc il était bien préparé. Vous savez, donc avec les programmes, avec les, comment on appelle, avec les ordi, avec les programmes, donc la théorie évolue vite aujourd'hui. Donc il était bien préparé, je pense. La référence pour lui, c'était ma partie qui et contre Krasenkov que j'ai montré avant celui-là. Donc je pense qu'il était bien préparé. Fou E3 et les noirs jouent dame E5. Encore une fois, si vous voulez, on a dit que si vous voulez, qu'est-ce qui se passe après dame E4? Ça, vous pouvez trouver sur l'échiquier à toutes les parties. Et ça existe sur l'échiquier. Donc fou E3, dame E4. C'est mauvais. Après cavalier D2,
les plans très fort initiative. Par exemple, vous pouvez regarder Tim Mann contre Lothian 97 et Tkachev contre Edouard Roman en 2009. Donc, je joue dame E5, fou C5, dame C5 et cavalier C3. Donc, on arrive à la même position, fou B7, comme c'était prévu. Maintenant, il joue tour AD1. Donc, il avait préparé tour AD1. Peut-être à cette époque-là, on pensait que tour AD1, c'est mieux que tour C1. Donc, tour C1 qui était joué par Rajabov ou Svidler à l'époque. Donc, tour D1, roque, E5, dame C6, F4, cavalier E4, cavalier E4, dame E4, dame E4, fou E4. Vous voyez, jusqu'à là, c'est la même ordre de coups que dans la partie contre Krasenko. Une partie qui jouait en 2010, l'autre qui joue en 2011. Donc, tour D4, fou F5. Voilà. Roi F2. Et maintenant, ça c'était, comment on peut dire, la nouveauté, on peut dire, de mon adversaire par rapport à la partie contre Mikhail Krasenko. Donc, il joue roi F2. Et vous savez, ça, c'est un coup logique. Parce que les rois, c'est une pièce très, très importante au début de la partie. Mais à la fin des parties, on doit activer les rois. Si, on peut dire que si vous avez les rois actifs, vous jouez presque avec une pièce plus. Hein? Donc, au final, c'est les rois qui deviennent pièce plus importante. Donc, tu préfères les noirs? Non, non, bien sûr, moi aussi, je préfère, mais le problème, il y a danger. Et maintenant, il ne s'agit pas. Parce que je ne sais pas comment vous évaluez la position. Parce que dans notre niveau, ça ne fonctionne pas comme ça que j'aime bien les noirs ou j'aime bien les blancs. Il faut estimer et par rapport critères, on peut dire. Mais je veux dire qu'encore une fois, le roi est très actif. Hein. Moi, en tout cas, moi aussi, je pense que les noirs, aucun souci. On peut organiser, mais il y a des dangers quand même dans cette position pour les noirs. Je pense que les blancs, parce que imaginez que si on change du tour, on enlève du tour, les rois qui viennent jusqu'à les pions A6 et on mange les pions en A6. Pourquoi les blancs sont un peu mieux? Ça, c'est grâce à espace. Vous voyez les pions F4 E5. Et l'avantage espace, on peut déterminer par rapport à la structure des pions. Donc, les pions F4 et surtout les pions E5 donnent avantage espace aux blancs. Donc, les blancs sont mieux un peu quand même. Après, la position est très solide, bien sûr que les noirs doivent tenir cette position sans problème, je pense. Mais dans cette partie, quand même, j'ai eu des problèmes. Hein. La partie était très très combative. Mais si vous voulez, juste pour une fois, on peut vérifier. Qu'est-ce qu'il dit? Stockfish 14.
Non, le danger n'est pas là. Le danger, encore une fois, c'est le roi qui est actif. Plus d'espace pour les blancs. Il n'y a pas de danger parce que tu attaques rien sur le septième rangée. Mais c'est juste que si on change de tour, le roi qui est très actif, il peut aller chercher le pion en A6. En tout cas, depuis longtemps que je n'ai pas regardé cette position. Donc, encore une fois, Stockwish confirme qu'il n'y a pas de danger pour le noir. Et il préfère jouer tour C8. Hein. Donc, il est plus logique. Tour C8, peut-être amener les rois en E7. Voilà. Donc, il n'y a pas de danger pour le noir. Sauf si on change de tour. Le final de fou peut être dangereux pour les noirs. Non, je pense que surtout si on arrive à changer encore une fois du tour, le roi qui est actif. Même au final des pions, hein, si on change toutes les pièces, peut-être les blancs sont mieux un peu. Donc, c'était tour C8. Finalement, j'ai décidé de jouer tour C8. Roi E3 et H6. Donc, c'est vrai que tour F8, c'était le meilleur. Hein? Tour C8, parce qu'on a besoin de la tour en A8. H6, comme j'ai fait, donc j'ai envie casser les structures des blancs avec G5. Foutez G5. G3. Tour C1. F2. Merci, Light Chess, for follow. Hello, Light Chess. We speak all language. At the moment, I speak French, but you can write in English, in French, in Russian. Donc, c'était F2. Ah, c'est vrai? Ah, je savais pas ça. Donc, et là, j'ai décidé de jouer tour C2. En tout cas, pendant un moment, j'étais trop optimiste. Hein. Je ne jouais pas seulement pour nul. Donc la position était, je pensais que les noirs aussi peuvent faire quelque chose. Donc je restais très content par rapport à la partie de Krasenkov. Et tour des deux. Donc il essaie de changer toutes les pièces. Tour FC8. Tour D1. Mais après, la partie est très très intéressante par rapport à une finale. Hein, et pour ça que je pensais que, en tout cas, ça c'est des parties très très propres. Théoriquement, c'est très intéressant. Donc, par rapport à la variante Dame 2. Parce que tour AD1 était deux fois, comment dire, tenté contre moi. Mais il y a des gens qui, quand ils regardent les variantes Dame 2, je pense qu'ils tombent dedans. Donc ça peut être référence, je veux dire. Tour C8 et Roi G7. Donc,
Les Noirs essayent d'améliorer les rois, approcher les rois G6, F5, etc. Donc, tour C2, et tour D2. Vous voyez, comme je vous expliquais tout à l'heure, il essaie de changer les pièces et chercher les pions A6, B5. Vous voyez, en plus, les pions A6, B5 est mal placé sur les cases blanches. Voilà. Je ne sais pas. Deuxième fois, on va vérifier la position. Donc, la position reste toujours égale, égale, égale. Donc, la continuation, c'était logique à peu près. Et là, je ne sais pas. Je joue tour C5. Tour C5. Ah, bien sûr que ce tour D2, c'est faute. Hein. On ne peut pas. Je pense que. Par exemple, on va vérifier avec les ordures pour être vite. Tour D2. Vous voyez comment ça change l'évaluation? Et on appelle ça, c'est faute stratégique. C'est ça la différence. Vous changez une tour et votre position est perdante déjà. Parce que le final est indéfendable. Grâce à les voix, voix E3, G.F4, G.F4, voix G6, A3, fois E4, et voix E3. Et là, fou G4. L'idée allait chercher les pions en A6 encore une fois. Donc, il faut dire qu'ici, je n'ai pas changé la tour. Je joue tour C5. Donc mon adversaire joue H4. J'ai pas H4. J'ai pas H4. Et là, je sais pas, j'ai décidé de mettre les pions A5. Je vais vérifier ces moments-là. Et cette partie était analysée par mon adversaire dans les informateurs. Il était dans les meilleures parties de 2011. Hein. Donc, l'informateur, c'est un lever qui est très connu pour les professionnels surtout. Voilà, A5, c'était faute. Parce que je voulais changer un peu la structure, mais le problème, c'est que je commence à affaiblir les pions en B5 aussi. Simplement, je devais garder la tour. Donc, je devais utiliser. La tour qui est active, je dois jouer tour C1 avec les deux tours H1, etc. Non, peut-être aussi, je pensais que peut-être je peux jouer. Cette décision, j'ai pris par rapport un peu la situation. Peut-être je pensais que tour C1, on va répéter. Peut-être je voulais jouer. Je m'appelle pas exactement, mais. Et pour ça que je joue A5. A3. B4. Je voulais fixer le pion B2 et gagner cette pion B3. Tour B4. Tour C1. Tour B3. Et tour H1. Donc, maintenant, je gagne le pion H, mais je pense que le pion B est plus vite que le pion H, n'est-ce pas? Et finalement, c'est pas une échange, comment on peut dire, équivalent. Donc, tour C3. Tour H3. Fou F3. Fou G4. Voie E4, fou F5. Ça, j'ai compris que maintenant je dois faire nul. Et mon adversaire a compris qu'il est un peu mieux. Voilà, avantage blanc. Vous avez vu comment on peut être en danger dans une position égale.
Donc, roi D4, tour H4. Mais la défense était héroïque. B4. Tour pawn F4, échec. Roi C5. Et là, j'ai joué fou 4. Parce que les pions vont toutes seules aux dames, n'est-ce pas? C'est difficile à arrêter. Donc voilà. En tout cas, les ordinateurs considèrent que fou 4, c'est le meilleur coup. Bonsoir, Lofresh. Lofresh. Donc, F4, F4, tour 4, B5, tour 5, et roi C6. Vous voyez cette finale, mes amis? Donc, l'année dernière, on a vu les finales tour contre pion, n'est-ce pas? Ah, ok, Alex. Donc, c'est mieux. Donc, bonsoir, Alex. Et tu habites où, Alex? Tu habites en France? Donc, c'est ça la position. Ça, vous voyez le final. Tour 3 pions contre tour 1 pion. Je vais vérifier. J'ai joué tour D5. Oui, donc tu as raison. Hein. Justement, je voulais ajouter que tu n'es pas obligé de dire, Alex. Donc, tu es bienvenu et on va continuer. Donc, les noirs jouent tour D5 parce qu'il faut arrêter les pions, non? Voilà, en tout cas la position était difficile. J'ai décidé de jouer tour D5. B6. Tour D8. Roi C7. Et tour E8. Tour D3. Mais le final est très intéressant quand même. Tour D3. Donc j'avais joué E5. Ah non, voilà. Vous voyez, tout était facile, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je voulais montrer cette position. Donc ça, c'est un bel exercice dans les finales des tours, non? Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette position? Donc, ça, c'est encore une fois, c'est une belle position pour estimer et trouver la continuation, meilleure continuation. Mais on était en cette note, hein, peut-être. C'était 50e coup. Donc, il pouvait jouer. Je pense que l'idée, vous savez pourquoi on joue pas B7, B8? Parce qu'il pensait que les rois peuvent s'éloigner. Peut-être, il s'est trompé aussi. Je sais pas. Non, Atisha, on a regardé les finales. L'année dernière, normalement, on avait regardé les finales des pions et les finales des tours. Mais je pense que c'est juste tour de trois. Et vous savez, c'est quoi le plan? On doit donner et on doit repousser les rois. On doit amener les rois vers E5, F5 et jouer avec les pions H. Je pense que même moi, j'ai pas choisi la meilleure défense.
Donc, encore une fois, vous avez raison. Hein? En tout cas, après les parties, c'est facile à dire pourquoi pas B7. Et qu'est-ce qu'on joue sur B7? Ah oui, donc c'est ça, parce qu'on a vu, l'année dernière, on a vu la tour contre des pions. Et en plus, je pense que j'avais montré cette position, non? C'est les finales, j'ai montré et je vous ai expliqué comment on pouvait annuler ou on pouvait. Les blancs pouvaient gagner un moment, mais il n'a pas vu. Non, voilà, donc on a regardé normalement et on avait expliqué. C'est juste que moi, je peux expliquer à son logique. Parce que peut-être il voulait jouer tour de 3, par exemple, si vous jouez tour de 7. Je parle n'importe comment, hein, ou je sais pas, E5, c'est ce qui s'est passé dans la partie. L'idée, c'est, vous savez, B7, E4, tour D8 maintenant. Et quand vous faites tour E7, je joue roi C6, et les rois plus proches qu'en B7, hein, par rapport à la case B8, ça fait la différence. Mais après tour D3, lequel coup était le meilleur, vous pensez? Comment on doit continuer avec les noirs ici? En regardant mes anciennes parties, je vois combien combien de fautes on mettait dans une partie, même à ce niveau-là, quand il ne reste pas beaucoup de temps. Oui, c'est ça, roi F6, c'est pour ça que l'idée, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez jouer. Si vous jouez B7, je pense que c'est quoi le meilleur coup maintenant? On doit vérifier H5, n'est-ce pas? On va vérifier. Je pense que c'est H5 qui est le meilleur coup. Oui, H5 parce qu'on doit pousser les pions plus loin. Comment on dit? Plus loin, oui. Et si B8 dame. Donc c'est ça l'idée. Moi j'ai vu aussi. Et là, on joue roi E5. Imaginez. Pourquoi? Et on appelle pousser avec les épaules, n'est-ce pas? Et on ne laisse pas approcher les rois. Non, pas plus loin possible. C'est juste qu'on doit combiner avec les pions F parce que les rois sont très proches à la pion E. On peut attraper vite les pions E5. C'est ça l'idée. Ouais, donc non, vraiment, c'était compliqué. Mais la partie était encore. Donc la faute, c'était ici. J'ai joué E5 et ça, c'est la faute. Oui, non, non, je suis d'accord. En plus, on était en 7 notes. Donc, il joue B7 et j'ai joué E4. Donc, tour D8, tour E7. Il joue tour D7, tour E8. Et là, il joue roi C6. Roi C6, c'est le meilleur coup. Voilà. Tour B7 et roi B7. Et normalement, la position est perdante. Ah oui, donc c'est ça. Mais après,
Il n'était pas émis, hein? Il était grand maître, Yuri Averbakh. Hein? Non, non, il était grand maître. Donc voilà, on est dans cette position. Donc vous avez vu les fautes que j'ai faites, roi F6, roi C6 et roi E5. Et là, j'ai essayé de centraliser les rois. Mais vous voyez un coup évident, roi C5. Donc roi C5 et maintenant les pions E4, ça sert à rien. Je suis en retard partout. J'ai joué F5, très vite échec, roi F4. Roi D4. Il a envie ou il a décidé? Je pensais que. Donc il a envie encore. Je sais, Smyslov qui a décidé. Ah oui, il a envie. Je pense qu'il a envie, oui. 99 ans. Wow. Il va fêter centenaire bientôt. Et là, roi F3, tour E5 et F4. Voilà. Normalement, je devais cacher. Donc, je savais. L'année dernière, j'ai montré cette position. J'ai joué F4. Et au plan de jouer. Non, après, je l'ai vu. Moi, j'étais dans l'école Smyslov. Mais Averbakh, j'ai vu peut-être comme ça. Mais j'ai, parce que, comme vous dites, il écrivait des livres, hein, plutôt. Et ce n'était pas un joueur très actif. Hein. Oui, je l'ai rencontré. J'ai vu Dvoretsky. J'ai vu. Tour E4, c'était un mauvais choix. Imaginez que tour E4, c'est mauvais. Donc, il a joué tour E4. Hein. Et après, j'ai sauvé la position. Ah, roi E2, c'était fantastique. J'adore roi E2. Donc, il pensait que je peux jouer roi G4 ou roi G3, mais tous les deux perdent. Hein. Non, vous savez, c'était combien de coups? Peut-être 70e coup. C'était dans un Open en Espagne. Mais on jouait en 7 notes. Il y avait 30 secondes en créneau. Yeah, but probably the unbelievable move in this position. Last years I showed this position because we study rook endgame, rook against pawn. So, and my opponent analyzed this game for Chess Informator. Because a game was interesting for theory and in general the game was it's nice game I think. Okay, tour H5 c'est mauvais, tour H5 ça sert à rien parce que peut-être il a raison, on joue 3, non? Roi D3, E2, et c'est tour E5. Non, mon adversaire ne croyait pas aussi. C'est pour ça que le secret est là. Normalement, vous avez vu hein, les coups, je pense. Ah oui, en tout cas, j'étais fier quand même de défendre cette position.
J'étais content que je n'ai pas perdu. Je ne voulais pas perdre de toute façon parce qu'à un moment, j'ai mal évalué. Je voulais gagner quand même, peut-être à un moment. Mais bon. Voilà, Atish a vu le coup. Normalement, on joue trèfle 5. Imaginez ce coup. Les coups gagnants, c'est trèfle 5. Moi aussi, je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est juste que c'est le meilleur coup. C'est sans explication. Non, explication, je ne peux pas pousser le pion à 5. Et on arrête le pion F4. Donc, on arrête le pion F4 et tu ne peux pas pousser à 5. Et si tu pousses E3, donc on joue roi D3. Vous voyez, parce que la tour est quand même une pièce très forte. Ça veut dire qu'il arrête tranquillement les pions F et H. Et le roi qui doit occuper les pions E4 simplement. Et en plus, on met un sous-swang, parce que c'était une question de sous-swang aussi. Donc, tour F5, je pense. Et maintenant, vous ne pouvez pas jouer avec les rois parce que vous perdez tous les deux. Et le pion H6 est loin. La tour est une pièce très très forte. Hein. Donc, finalement. Non, tour F5, c'est un coup fantastique et, oh, pardon. Et c'était dans les, je suis allé très vite. Ok, I am sorry. F4. Mais après, je sais pas, mais, moi, je sais pas. En tout cas, ce qui était bien, j'ai défendu cette position encore une fois. Le problème, je n'ai pas perdu. Et si je ne perds pas, ça veut dire que quand même je connais mieux que mon adversaire le final. N'est-ce pas? Donc, encore une fois, je ne sais pas. Mais après, il y a, par exemple, la partie contre Freycinet, j'ai gagné encore une fois. Mais la différence, encore une fois, on ne peut pas être idéalement fort, mais on doit connaître le final. Mais je veux dire que moi, je pense que j'ai assez connaissance, mais je ne dis pas que profond, mais les finales des tours, les finales des pions, je sais pas, quelques finales, je connais. Mais peut-être je montrerai une partie aussi pour montrer la finale des dames, dans laquelle j'ai gagné. Donc, les dernières fois, on a parlé, c'était Gambit Dame accepté. Donc, voilà. Donc, il a joué tour E4, H5, H4, tour H8. Et là, j'ai joué roi E2. Je lâche les pions H4 parce qu'il ne faut pas aller protéger les pions. Parce que ça ne sert à rien. Après roi E4, la tour gagne contre deux pions. Est-ce que c'est clair? Donc, simplement, on lâche les pions. Roi E4, F3, tour A8, F2. Roi E1, et mon adversaire joue roi E3. F1 cavalier, échec. Voilà. Et on est dans une finale cavalier contre tour. Donc vous avez vu que j'ai défendu au 83e coup, on a fait nul. Donc, vous ne dites pas qu'on fait toujours les nuls de salon, non? Il y a des parties quand même assez costauds. Oui, donc là, on joue tour F5. Roi E3, oui, si la dame, c'est échec mat. Donc, ça, c'est, je pensais que vous connaissez.
Mais après, ok, j'ai mis les cavaliers, et normalement, ça, c'est une position théoriquement nulle. Même sans pion H4, ça, c'est nul. Non, après, c'est que peut-être ça, c'était très important pour le classement à l'époque. Mon adversaire était bien préparé sur ma partie contre Krasenkov. Il s'est battu jusqu'à bout. Voilà, à un moment, peut-être, il pouvait gagner. Vous avez vu qu'il a eu des chances de gagner. Et à un moment, j'étais en danger. Tour contre cavalier, c'est nul. Ah oui, parce que ça, c'est encore une fois, si vous voulez, je vous montrerai. Ça, c'est simplement vous restez là. Hein. Et ici, par exemple, vous jouez là. Moi, je parle. Plus pire position, c'est lui-là. Et ça, c'est nul. Simplement, vous jouez cavalier G3. Et vous ne pouvez pas améliorer. Cavalier G3, comment vous jouez? Oui, ça c'est nul. Avec, ça c'est la forteresse. Si le cavalier F1, ça c'est une position théorique nulle. Mais on a vu la dernière fois, peut-être, ok, la prochaine fois, on va regarder quelques finales quand même. Donc ça c'était dans notre finale l'année dernière qu'on a vu la tour contre des pions. Ah oui, donc après, si vous voulez, je peux montrer, il y a une partie contre Roman Edouard, même Topalov perdu contre, il y a des positions perdantes, hein, ça dépend de la position. Mais après, si vous voulez, nous avions quelque chose ici, non? Je dois ouvrir plusieurs fenêtres. Par exemple, c'était où? Calcul. Bon, je peux montrer une position. Une étude très connue. C'est ça la position. Au plan des joueurs. Et normalement, on a vu cette finale. Ça, c'est une étude de Moravec. Ouais, normalement, tu connais Atisha. Donc, par exemple, hein, si on prend un G7, H4, roi G6, H3, roi G5, H2, roi G4, et on fait la dame. Et si roi G7, et dame H8. Non, non, El Caché, c'est pas ton niveau, excuse-moi. Mais les premiers coups, on joue roi H7. Donc, les noirs jouent H4. On joue roi G6. H3, roi G5. H2, roi G4. Et maintenant, on ne peut pas jouer dame. Vous voyez, roi G3. Et les noirs sont perdantes, n'est-ce pas?
Voilà, les pions G5 gênent en diagonale et les noirs perdent. Donc, et pour ça que ça, c'est la différence entre coup roi G7 et roi H8. Oui, c'est ça. Donc, et pour ça qu'il fait les cavaliers, comme dit James Bond, H2, roi G4, et là, il est obligé de faire cavalier, et maintenant, on joue roi F3. Et ça, c'est une position perdante. Pourquoi toujours 3-5? Quel moment toujours 3-5? Excuse-moi. L'autre flèche. Premier coup. I am sorry. Donc c'est toujours 3-5 et je joue H4. C'est quoi le problème? Après? Voilà, il joue 3-5 et maintenant je joue G5. Troupe G5 et je joue roi F2. Les rois éloignent et je pousse H3, H2, H1. Donc, il pense que le premier coup, c'est roi G6. H4, roi G6, H3, roi G5, H2, roi G4. H1 cavalier, roi F3. Non, après, c'est pas compliqué. Les jeux d'échecs, ça, c'est pas donné non plus à tout le monde, hein. Ça, c'est les jeux plus intelligents. Sinon, c'était facile, hein. Voilà. À ce moment-là, je peux être fier de moi, n'est-ce pas? Voilà. C'est pour ça que je suis. Mais c'est vrai que je suis fier d'être toujours grand maître. Au moins, je peux dire que je suis très, très intelligent. Voilà. Et dernier truc de G5, on va montrer. Et là, non, on rigole, l'autre fraîche. Et là, G5, un coup très, très important. Ici, il faut couper les cavaliers. Les derniers coups techniques. Qu'est-ce qu'on joue? Non, pas 3-1. 3-1, on ne joue pas. On ne touche pas. Hein? La tour est bien placée en A2. Roi en F3. Je ne pense pas que tour G2. Il est des coups tranquilles et simples, non? Non, après, par exemple, je pense que tour D2, tour G2, ça, je suis d'accord, après, ça gagne peut-être, mais tour D2, c'est coup plus technique. Et on ne touche pas quand toutes les pièces, on met en sous-sang. La force tranquille. Il va donner tout seul. À tour D2, ça gagne les pions en G5 aussi. Ah, peut-être tour G2, tour G5 ne gagne pas quand même. Et si je joue ça, et cavalier F2, qu'est-ce que tu fous là? Et comment vous continuez? Peut-être c'est gagnant, je ne sais pas, mais c'est compliqué. Vous devez faire quelque chose. Mais l'autre gagne, c'est trop technique. Après G5, on joue tour D2. Les noirs en sous-sang, tu ne peux pas bouger ni cavalier ni roi, non? Échec et mat. Et pourquoi on joue tour D2? Parce qu'après G4, roi G4, si tu as envie de sortir des cavaliers, on vient en F3
Et maintenant, le cavalier ne peut pas aller ni en D3, ni en D1. Et si cavalier H3, on fait roi G3 et les menaces tour D1, échec, mat, soit roi H3. Et là, si vous voulez, si vous revenez cavalier H1, maintenant il n'y a plus de pions et on fait encore tranquille, n'importe quel coup, tour C2, tour B2, tour A2 et les noirs en succession. Non, après, on connaît par cœur, hein, mais cela ne dit pas que je vois, je ne vois pas, mais je connais par cœur ça. Il y a des positions qu'on connaît. Simplement, il faut apprendre. Mais après, j'ai vu une partie. C'était entre deux grands maîtres, mais c'était Belitza. Hein. Donc, il a joué tour B2, tour A2. Une fois, il a raté mat en un coup. Mais bon. Non, après, on a joué dans le vrai match. Pourquoi pas? Je pense que c'était joué. C'était joué. Voilà, finalement on est arrivé sur cette position, ben, mais notre but c'était Gambit Dame accepté, hein, avec la ligne Dame 2. Parce que normalement j'étais là pour expliquer la théorie, un peu. Donc on a vu la variante avec Dame 2. Et vous avez vu deux parties jouées par moi. Si j'ai réussi à annuler avec les noirs, quand même ça c'est bien, parce qu'à ce niveau-là, avec les noirs, on doit égaliser. Et voilà, ça c'était la partie. Et en finale, on a mis plusieurs fautes. Moi aussi, j'ai fait quelques fautes aussi. Il y avait des moments que j'ai joué mal. Non, peut-être, je sais pas, ça va être compliqué pour moi. Mais rappeler les études que tu parles avec les paires de fous. Après, encore une fois, ici, vous voyez, on a fait plusieurs études, hein, là. Par exemple, on a fait là, cette dernière fois, on a fait cette étude-là. Après, on a vu, ça, c'était ma partie contre Mametyarov avec les noirs, etc. Encore une fois, on était là pour Gambit Dame accepter. Est-ce que tout était clair avec les variantes Dame E2? Mais après, le Gambit Dame accepté vraiment riche. Non, on calcule toutes les variantes. Mais le but, quand vous cherchez une solution, c'est prendre le temps et réfléchir, hein? C'est pas le but de trouver les variantes. Apprendre les techniques, calculer. Et apprendre des habitudes, réfléchir aussi. Les gens se trompent. C'est pour ça qu'ils font en matière, ils ont content. Mais l'essentiel, développer le calcul. En général, technique, calculer.
Mais après, on doit voir, hein, on voit tous les variants.